Voilà les amis, le sport au Sénégal, au bord de la plage, tout le monde fait du sport. Mais quand je vous dis tout le monde fait du sport. Là on vient de faire un petit périple en voiture et je vous ai montré toute la côte de Wakam. Tout le monde fait du sport, il y a du matériel en extérieur et tout, c'est vraiment magnifique, au bord de la mer. Tous en train de faire du sport, tous, sans exception. Les amis, maintenant je vais effectuer un peu, hein. Faut bien que j'essaye de m'exercer dans ce coin-là. Je vais faire un peu de barre traction avec la mer juste devant moi. Regardez comment c'est magnifique. Traction juste devant moi, la mer. On va enchaîner les dips. Ça va bientôt être à mon tour. Petit développé couché artisanal au Sénégal, magnifique.
à tous, c'est Mohamed Djabi, je me présente, champion du monde de kickboxing et de savate. Bienvenue dans l'émission Pieds et Poings. Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Donc là, j'ai le plaisir de vous présenter le kickboxeur Mohamed Djabi qui m'a invité ici. Ça va Mohamed? Ah, ça va. La forme, bien. Tranquille. Ça va, merci super, beaucoup merci. Pour ton invitation. Pas de souci, au plaisir. Donc voilà, t'as voulu m'inviter directement sur cette plage. Ouais. Là où carrément je me suis effectué un peu, je me suis entraîné, où il y a toute une grande partie de la population qui vient s'entraîner ici. Donc qu'est-ce que tu fais toi concrètement? Ouais, bah déjà ici c'est un lieu symbolique du sport au Sénégal, ouais. Mm-hmm. Où les gens ils courent, ils font de la muscule, ils font un peu de tout. Ouais. Moi en général je viens courir ici, la journée quand il y a moins de monde, je viens avec mon Moïdar, on fait un petit peu de leçons, on fait un petit peu de pâte d'ours. D'accord. Histoire de profiter du cadre qui est magnifique. Ah ouais, magnifique, franchement. Donc, voilà, la première fois que tu fais du sport comme ça. Ah, on est au Sénégal, on profite de travailler au bord de la mer. Ouais. Donc voilà. Ok, nickel. Et du coup, ben. Dans, comme vous connaissez tous ma thématique de ma chaîne, ça souffre, c'est tout le temps parler de la musculation, mais vers un domaine spécifique. Là, il est dans le kickboxing. Je sais qu'il fait quelques mouvements de musculation qui vont lui servir justement pour son domaine spécifique. Et donc là, il m'a gentiment invité donc ici, là où il fait son footing. Et on va continuer justement notre périple directement dans sa salle. Il va gentiment nous ouvrir sa salle, faire quelques petits entraînements et en même temps nous montrer quelques mouvements de muscu qu'il va faire pour pouvoir développer certaines qualités physiques. De quoi tu as besoin justement en musculation pour justement développer certains trucs, je sais pas, des réflexes? Qu'est-ce que tu cherches en fait quand tu fais de la musculation? Bah pour la boxe, pieds et poings, on a besoin d'être fort physiquement. Ouais. Donc déjà on travaille beaucoup tout ce qui est résistance, ouais. C'est-à-dire gainage, mm-hmm. Aussi la pliométrie, ouais. Beaucoup de travail d'explosivité. Mm-hmm. Après en début de saison là on fait de la force max vraiment pour préparer le corps à avoir une grosse saison bien, à être fort pour pouvoir faire une saison longue sur ouais. plusieurs combats. Mm-hmm. Et dès qu'on approche de la compétition on réduit un petit peu la musculation parce que voilà on ne veut pas prendre de masse non plus. Mm-hmm. Parce que tu sais que c'est les sports à catégorie de poids, il faut faire très attention à la prise de masse, à la prise de poids. Ouais, oui, donc, c'est clair, t'as un poids à respecter toi. Voilà, il y a le poids à respecter et plus on prend du muscle, plus on est lourd et plus c'est difficile de faire le poids. Du coup même la diète alors? La diète, tout à fait, la diète c'est... Mais c'est compliqué au Sénégal hein, parce que même moi tu sais, je fais attention en France hein? Au niveau de la diète. Même les élèves là, qui me suivent, vous savez très bien, je suis chiant avec ça parce que je vous dis tout le temps, 70% de votre objectif quand c'est pour l'hypertrophie, donc pour se développer musculairement, perdre du poids ou quoi, 70% ça va être dans la nutrition, 20% le sport, 10% la diète. Mais lorsqu'on a un objectif d'être au poids pour combattre, ça va être compliqué. Mais au Sénégal, pour manger, moi je sais que quand je viens ici, des fois je me lâche. Ah donc, bon, ici ça va. Après, il faut trouver les bons coins. Après, c'est ouais. clair, quand tu es en vacances, des tchaboudiennes, ouais, ouais. c'est tu te fais plaisir. C'est clair. Mais quand tu prépares un objectif, ouais. Tu fais attention à ce que tu manges, mm-hmm. tu réduis les portions ouais. et tu essaies de trouver des trucs de qualité, des produits de qualité. C'est clair. Et ici, on a la chance, voilà, il y a le meilleur poisson, ouais. il sort de la mer, il est frais. C'est vrai. Le poisson, c'est très riche en protéines et peu calorique. Donc on essaie de profiter un petit peu de tout ce qu'il y a localement mm-hmm. et après on fait très attention à ne pas faire d'excès on va dire. D'accord, bah, merci beaucoup Mohamed. Y a pas de quoi, au plaisir. Ben, là ben, du coup on va aller s'entraîner. On va aller à la salle, à l'immeuble Kébé, okay. Elite Fitness. Ok. Voilà, c'est là-bas où je m'entraîne, je fais ouais. le pied-point. Il y a un coach là-bas qui m'aide aussi beaucoup dans le spécifique box. D'accord. Donc voilà, vous pourrez découvrir, c'est une salle magnifique où il y a du crossfit, il y a de la muscu, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Donc une belle infrastructure. Super, bon ben c'est voilà. parti. Rendez-vous allez, à la go. Salle, c'est parti. Thank you.
Ça va? Tu te prépares? Bien, ça dit. Nickel. Je suis en position. Ok. Ici, il y a tout ce qu'il me faut. Hein. Ouais, c'est bien équipé, hein. C'est une bonne salle. Hein. J'ai vu, il y a même un coin nutrition. Il y a un coin nutrition et tout ce qu'il faut, franchement. Ah, c'est top. Vraiment, j'utilise pas beaucoup de matériel. Ouais. Vraiment, les bars, tout ça, le medicine ball, ouais. Les haltères, de temps en temps, un petit peu de bord. Ok. Et puis après, voilà, hein, on fait surtout le poids de corps. Ok. Pas trop de charge. Ici, il faut faire un. Par exemple, du transfert de charge, comme tu fais beaucoup en boxe, mm-hmm. C'est vraiment charge en développé couché. Ouais. On enlève tout de suite la barre, on met les gants et on transfère à la patte d'ours. Okay. Ça, c'est un travail que j'aime bien faire en typique muscule, ouais. Mais couplé avec le spécifique boxe. Ok, ça marche. À la fois en développé couché, mais aussi à la presse. Mm-hmm. On pousse, une fois qu'on enlève, on descend la barre et on envoie les middle. Mm-hmm. Faire le transfert de charge, c'est bien aussi. D'accord. Allez, bonne soirée pour toi. Donc là, tu vas faire un peu de sac maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as recherché du coup en faisant de la corde? Corde à sauter, c'est un très bon échauffement. Ouais. Ça permet aussi de travailler la coordination, mm-hmm. le cardio. Quand tu montes en double under, tu fais monter bien le cœur comme il faut. Mm-hmm. Et après, j'utilise la corde souvent pour perdre le poids. Hein. Ah ouais, d'accord. Là, je fais en début de séance pour m'échauffer. Comme je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de poids à perdre. D'accord. Mais en général, c'est le meilleur outil pour la perte de poids. Mm-hmm. Après la séance, 10-15 minutes de corde bien couvert, histoire de vraiment brûler un maximum. D'accord, ok. Donc là, je mets les bandes, je protège bien les mains. Moi, j'ai les mains fragiles, donc okay. Je protège bien mes mains, je double les bandes, puis ça met du gel sur les phalanges. Mm-hmm. Parce qu'avec 20 ans de boxe, les mains sont toutes fortes. Quoi. Ouais, t'en as 35 maintenant. Ouais, c'est ça. Et t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 10-11 ans. 10-11 ans, et t'as jamais lâché? De 10-11 ans jusqu'à 16 ans, c'était vraiment un loisir avec les potes, tout ça. Je suis un petit peu mon grand frère qui boxait. Mm-hmm. Donc c'était voilà, pour prendre du plaisir. Mm-hmm. Mais après, voilà, quand tu vois qu'il y a des gens qui repèrent, qui souhaitent un potentiel, et après j'étais champion de France en boxe française espoir, mm-hmm. mm-hmm. junior. Mm-hmm. Et après j'ai fait des tests mm-hmm. pour rentrer à l'INSEP et j'ai déchiré les tests.
ils m'ont accepté. À la base, je voulais même pas aller à l'INSEP, je voulais aller au Crabs de Toulouse. D'accord. Pour quitter un peu le ghetto, la cité. Ouais. Finalement, ils m'ont pris à l'INSEP et je ne regrette pas à le propre. Choix qu'ils ont fait. T'étais à l'époque de l'ADJI, alors l'ADJI du Corée, du coup. Ouais, ouais, j'étais à l'époque de l'ADJI. Ouais. À l'époque de après, j'étais même surveillant dans le bâtiment des mineurs. Il y avait à l'époque Teddy Riner qui était jeune. Ah oui. Ouais. 16 ans, 17 ans. Et il y avait tous les grands champions. Moi, quand j'étais là-bas, je voyais les Ladji, Brahim Aski, où il passait de temps en temps. Ah oui. En boxe, c'était magnifique. Ah top. Les plus belles époques, on va dire. Ok, bah Teddy Riner, justement, il est chez moi je suis de la Guadeloupe. Ah ouais, okay. On est du même village de vieux habitants. Teddy Riner. Voilà, donc je connais bien. Quand il était au BU, ouais. Finalement, il a grandi, il est très costaud, ouais. Il arrache tout. Et c'est une bonne tête, je l'ai croisé il y a quelques années. Le mec, il était hyper content de me voir, il a gardé la tête. Bah, c'est bien, il y a des bonnes pépites qui sortent de l'INSEP du coup. L'INSEP, bien. C'est la base. Ouais, c'est la base. C'est la base. Et surtout maintenant qu'ils ont bien resserré avec que des sports olympiques, là vraiment ils sélectionnent la crème de la crème. Ah ok. Bâtier là, ouais. Cameroun, c'est la folie. Et puis, je peux même pas comprendre, mon gars. Mais là c'est très très lourd parce que là, tu m'as dit, il y a trois ceintures, ouais. De l'UFC qui sont des Africains. Tous nés en Afrique en plus. En plus, c'est pas voilà. Tous nés en Afrique. Ganou, comment ça s'appelle ? Adesanya. Ousmane. Thank you.
Donc voilà les amis, on vient d'assister à l'entraînement de Mohamed Diaby. Donc merci beaucoup déjà de nous avoir permis d'assister à ton entraînement. C'est un privilège, en plus à Dakar. Avec grand plaisir. C'est super gentil. Donc comment tu as structuré ton entraînement? Donc on a vu que tu as fait un peu de corps, de sac, muscu à la fin. La corde à sauter pour l'échauffement. D'accord. Vraiment, ça permet de tout de suite se mettre dans le bain, bien chauffer, un petit peu de coordination, un petit peu de montée de cœur. Ouais. Puis ensuite le sac, voilà, travail spécifique box, hein, vraiment anglaise, plus un petit peu de middle, low kick. Donc tu as commencé d'abord par l'anglaise. J'ai commencé d'abord par l'anglaise, parce que voilà, moi je travaille beaucoup l'anglaise. D'accord. Et ensuite, petit à petit, on rajoute les jambes, histoire de monter en kickboxer. D'accord, très bien. Et après, bon, tu as fini sur un petit volet musculation. Un petit volet muscule, vraiment très spécifique. Ouais. Un petit peu d'écarté, un petit peu de pullover et travail d'explosivité avec le medicine ball. Voilà, justement, ben, pour en venir au pullover, donc le pullover, je pense que vous le savez, c'est un mouvement mono-articulaire qui va solliciter les dorsaux. Et les boxeurs, justement, leur force vient des dorsaux. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que tu as fait ce mouvement-là, pour essayer de récupérer de la force et peut-être de la mobilité dans le mouvement. Tout à fait. Bon, on essaie de travailler un petit peu le spécifique, les muscles qu'on sollicite pour la boxe. Le pullover, l'écarté en fait partie. Mais je reste toujours un petit peu dans la partie spécifique, avec des petits mouvements de direct, et puis histoire de toujours mécaniquement que mon corps soit toujours axé sur la boxe. D'accord. Même si je fais de la musculation, je reste toujours avec l'optique que c'est pour la boxe. D'accord, ouais. Très bien. Ben nickel. Et justement, tu me disais en off, bon là, tu nous as fait un petit entraînement pour nous faire plaisir, un peu structuré avec muscu à la fin, mais tu préfères quand même dissocier dans une journée, faire peut-être la muscu le matin et après ton spécifique le soir. Voilà, tout à fait. En général, quand j'ai un objectif, là, j'ai pas d'objectif précis, mais quand j'ai un objectif précis, je divise le physique et le spécifique. D'accord. Donc le matin, s'il faut faire la piste, la course ou la muscule. Et en général, le soir, on reste sur la boxe, sur du sac, des thèmes, de la leçon, ou bien des fractionnés au sac. Ouais. Mais vraiment, c'est important à très haut niveau de dissocier la muscule de la boxe pour être concentré à 100% sur chacun des objectifs. D'accord, ok, très bien. Bah, nickel. Et aussi, tu m'as dit que tu coachais. Ouais, aussi, je fais un petit peu de coaching particulier ici à Dakar. Tu t'occupes de gamins aussi. Donc, je m'occupe d'enfants. Je travaille dans une école, je travaille avec des écoles maternelles et élémentaires où je leur fais faire toutes sortes de sports. De temps en temps, de la boxe aussi. D'accord. Et je fais des coachs particuliers aussi en privé, aussi aux entreprises. Qui souhaite bénéficier de l'expérience d'un athlète de haut niveau qui a fait de la boxe à très haut niveau. D'accord. Transmettre un petit peu les valeurs de la boxe. C'est pour ça que j'ai créé Jabbing Sport and Consulting. Ah ouais. Pour vraiment essayer de développer un petit peu le coaching aux entreprises ici au Sénégal. D'accord, très bien. Ben, c'est intéressant ça en particulier parce que je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui ont aimé le Sénégal par rapport au vlog que j'ai fait et que voilà, s'ils veulent venir et peut-être bénéficier de quelques coachings, tu pourrais... Avec grand plaisir, du côté de Wacam, si c'est des débutants ou des confirmés qui veulent prendre un peu d'expérience, je transmets, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est super. Et tu prévois, dernière question, tu prévois peut-être une compétition à venir ou quelque chose? Bon, comme je te disais, moi je suis plus sur la fin de carrière que sur le début, donc je continue à m'entretenir. Avec le corona, ça a un petit peu cassé un petit peu l'élan que j'avais. En 2019, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai gagné les championnats du monde ici à Dakar. En Corée, j'ai gagné les Mastership World Cup là-bas. Donc, je continue à m'entretenir. Peut-être qu'on ne sait jamais, d'ici fin 2021, s'il y a un super fight qui serait, serait le bienvenu pour finir la conclure en beauté, on va dire. Okay, c'est super. Bah, merci beaucoup à moi. Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir, coach. Okay. Donc, n'hésitez pas à le soutenir. Je vous laisse son Instagram juste en dessous. Si vous avez besoin aussi de ses services pour les personnes qui veulent venir au Sénégal, à Dakar, s'il est dispo, Jabbing Sport, toujours là, voilà, avec grand plaisir. Il sera dispo. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, merci coach. La force n'a été créée que pour être partagée.